Bonjour à tous. Lorsque j'ai publié mon premier livre, j'ai demandé à un ami de me créer un site internet. C'était un jeune informaticien. Et j'étais super contente du résultat. Mais très très vite, je me suis rendu compte que c'était compliqué parce qu'il fallait, dès que je voulais ajouter quelque chose sur le site, il fallait que je passe par lui. C'était un étudiant. Il n'était pas très disponible. Et donc, je me suis retrouvée très vite coincée avec ce site. Mais comme mes livres se vendaient sur les librairies en ligne, bon, à la limite, c'était pas trop grave. Mais mon deuxième livre, lorsqu'il est sorti, c'était un album jeunesse et qui, lui, ne pouvait pas se trouver sur les librairies en ligne. Donc, fallait que j'ai fait une campagne Ulule et j'avais besoin d'un système pour faire le relais de la campagne Ulule et pouvoir le vendre. Donc, je réfléchissais à cette question de la boutique en ligne, à la question d'un site qui soit plus adapté et que je puisse maîtriser de A à Z. Et je suivais Anaïs et elle a lancé sa publicité pour la création du site d'auteur clip par clic. Et bon, bah, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, c'était l'informatique, c'est pas du tout mon domaine. Ça me semblait complètement surréaliste de pouvoir imaginer créer un site informatique. Mais je lui ai fait confiance parce que je la suivais et je voyais. C'est toujours accessible ce qu'elle faisait, et là elle promettait de vraiment nous accompagner et que ça soit faisable par chacun. Donc je me suis lancée, étape par étape. Je travaillais un petit peu chaque jour ou tous les quelques jours pour avoir le temps de digérer. Je prenais des notes également sur ce que je faisais, et miraculeusement, petit à petit, ça a pris forme. Donc j'ai eu mon site, j'ai eu la boutique, j'ai eu aussi plein de bonus, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé par moi-même, l'histoire de la newsletter, l'histoire de plein d'éléments de réflexion sur le travail, sur la rentabilité du livre, par exemple, pour pouvoir le mettre en ligne sur la boutique, l'idée de faire une partie aussi un peu blog avec des articles. Et donc, elle a une vision très, très complète qui m'a apporté plus qu'un site et sa boutique, mais qui m'a apporté beaucoup d'éléments de réflexion pour progresser dans mon aventure d'auteur indépendante. Donc, je suis très très contente et aujourd'hui encore, je vais régulièrement quand j'ai besoin de changer quelque chose sur mon site parce que forcément, comme j'y vais pas souvent, j'oublie. Donc, je retourne dans mes notes du début et pour savoir à quelle vidéo je dois me référer pour pouvoir la revoir et puis pouvoir faire des ajustements nécessaires. Donc, j'arrive toujours à maintenant par moi-même à trouver des réponses à mes questions grâce à cette formation qui finalement continue de m'accompagner maintenant dès que j'ai besoin de faire des ajouts ou des changements sur mon site. Très récemment, par exemple, ça a été l'histoire de faire une boutique Instagram. Il a fallu que je reparte dans le site. Alors, j'ai cherché ça sur Internet, mais entre la formation Internet, c'est plus du chinois. Ça devient vraiment faisable. Donc, je suis super reconnaissante pour cette formation. Et si j'ai pu le faire, ça veut dire que on peut tous le faire, pas après pas. Et ça apporte vraiment de beaux résultats. Merci.